Bienvenue à l'Allianz Arena, peut-être le plus beau stade d'Europe. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Salut Grégoire, salut à tous. On est impatients de vivre cette opposition entre deux équipes, somme toute assez séduisante. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. C'est parti. Robben. Lewandowski. Va-t-il en profiter? La passe interceptée. Non, comme ça, ça ne passera pas. Le ballon s'en touche. Ribéry, Mario Götze, Robben. C'est joué long, attention, ça peut partir en contre. La frappe, attention! Ah non, il fallait réagir plus vite. Ça c'est clair, il a pris trop de temps pour prendre sa décision et au final, c'est manqué. Benatia. Toujours 0-0, un résultat qui satisfait plus à l'entraîneur que l'autre, forcément. Il joue dans l'espace. Dans le dos de la défense. C'est bien fait, ça. En profondeur, sur l'aile. C'est bien repoussé, un peu d'oxygène. Xabi Alonso, Mario Götze. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Ribéry, Thiago. Oh, l'inspiration! Le but! Oh, le but pour le Bayern Munich! Et ça va au fond des filets! C'est fait, il passe en tête sur l'ensemble des deux matchs. Pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien là. Il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. Ils sont maintenant menés dans ce match, menés aussi au score cumulé. Benatia. L'accélération. Ça peut rentrer cette fois. Le but capital. Et c'est le but. Et ils prennent la tête au score cumulé. Le gardien n'a pas pu reproduire l'exploit.
Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des airs, monte à la défense. Il est parfait. Devant maintenant au tableau d'affichage. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Benatia. Javi Martinez. Xabi Alonso. Ribéry. En profondeur, ça peut être extrêmement dangereux. Il a pris tout le monde de vitesse. La frappe, le but, magnifique. Et c'est dedans. Et ils sont à nouveau devant. C'est certainement la plus belle frappe que j'ai vue depuis longtemps. Quelle puissance, c'est merveilleux. Allez l'arrêter celle-là, tiens. Le Bayern Munich, il compte maintenant 2 buts de retard. Incroyable. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Et 3 buts dans cette première période. Le score, 2-1. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Il part un peu à l'aventure. Un long ballon vers l'avant. Xabi Alonso. Ribéry. Mario Götze. Robben. Il tente de la jouer dans l'espace. Il peut frapper. Oh, quelle frappe! Quel bijou! Maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Quelle puissance dans la frappe. C'est rare de voir ça. Alors là, c'est tout simplement beau. Dans l'intention et dans la réalisation. Désormais 3 buts d'avance. Comme quoi cette mi-temps leur a fait beaucoup de bien. Oh, voici Robben pour trouver la faille dans la défense. La passe est précise. Oh là, c'est chaud, quel tacle! Donc il va vite sur ce côté. Dans la profondeur, sur le côté. On joue sur l'aile, il est servi. Il parvient à centrer. Sur le poteau. Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui.
de l'activité sur les bandes touches, changement peut-être. N'Gog, il a encore fait parler sa taille. Ils peuvent encore faire deux changements, ça laisse des possibilités. Une très grande ouverture. Elle continue sa course. Cherche un coéquipier dans l'axe. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Mais là, tiens. S'il le trouve. Xabi Alonso. Mario Götze. Oh, Lewandowski. Quelle occasion, attention! Oh, dommage, ça aurait pu définitivement rassurer leurs supporters. Ils ne peuvent pas se permettre de manquer des occasions comme celle-là. Ils ont encore pas mal de retard à combler quand même. Plus que quelques minutes à jouer dans ce match. Une poignée de secondes les sépare désormais d'une place en demi-finale. Il change complètement de côté. Il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, dommage cette interception. C'est joué loin devant. André Molina. Débordement côté gauche. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Il centre. C'est bon, le danger est repoussé. Il la tente. Ah, c'était bien joué, la passe au départ était magnifique. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Il va falloir être précis. De la tête! Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Les voilà dans le dernier carré après cette qualification si importante. Ils sont en demi-finale. Incroyable ce retournement de situation. Vous avez une explication? Eh bien, quel comeback, quel retour et quelle surprise surtout.